tous, j'espère que vous allez bien. Ben, moi ça va, mais voilà, on est aujourd'hui mardi, je ne suis pas allée travailler. J'ai ma fille qui est malade, on sort de chez le médecin, bon, rien de grave, hein. Un coup de froid voilà, dû au sport dehors, à moins 10 degrés, donc voilà. Mais bon, il faut qu'il fasse du sport, donc hein, on va dire, c'est comme ça. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte. Une carte avec ses tampons. Du partenariat Innovart. Les petits paresseux. J'ai trouvé trop mignon. Voilà. Donc on va venir faire une carte avec ses tampons. Donc, je les ai déjà tamponnés hier, d'ailleurs. Et je vais vous montrer comment je les ai tamponnés. Alors, je vous ai passé l'étape hein, du tamponnage. Tout le monde sait comment on fait un tampon sur une feuille. Donc, je les ai tamponnés ici sur du papier noir avec l'encre. Je me suis trompée d'encre. Avec cette encre, voilà, c'est de l'encre blanche, ça va très bien. Enfin, j'ai dû passer deux fois dessus parce que je trouvais que c'était un peu trop clair à mon goût. Donc voilà ce que ça donne. Hop, le second, voilà, et le quatrième. Voilà, alors ici, vous voyez, ça a un peu bavé parce qu'en fait, j'ai voulu couper avant que ça sèche. Bon. Et je les ai coupés avec... B, je l'ai mis. Ah, je suis là, n'importe quoi. Avec ce die, je crois que c'était un die que j'avais pris chez Action, mais je ne suis plus très sûre. Action ou Ali. En tout cas, un carré basique avec un effet couture derrière. Ensuite, j'ai coupé avec le die de la taille au-dessus. Alors, celui-ci mesure 5,7. Et la découpe fait 5,5. Voilà. Et ensuite, avec celui de la taille juste au-dessus, je suis venue couper des carrés comme ceci qui mesure 7,2. J'ai encore pas pris mes lunettes. Voilà. Donc, j'ai tout ça. Je vais venir couper dans du papier noir. J'espère que tout va rentrer dessus. En fait, j'ai même pas calculé. Donc, j'ai pris une feuille A4. Je vais venir la plier en deux. Voilà. Je vais venir tester. Ah ben, faut que je laisse cette largeur, vous voyez. Juste A4 plié en deux. Et là, on va faire. Ouais. On va faire 16 cm. Voilà. A4 plié en deux. 16 cm de hauteur. Couper la 16. Moi, je vais profiter aujourd'hui que ma fille est à la maison, du coup, pour faire quelques vidéos. Voilà. Ça va être une carte, comme à chaque fois, assez simple. J'avais très envie de faire quelque chose en noir et blanc. J'avais d'abord pensé à des ATC. Et puis, je me suis dit, en fait... les mettre les quatre sur la même carte, ça pouvait être sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du double face et je vais mettre hop je vais mettre deux épaisseurs à chaque fois.
Hop. Voilà. Une ou deux épaisseurs. Non, je vais mettre une épaisseur en fait, ce sera suffisant. Une épaisseur. Voilà. On fait ce petit bout. Donc je vais coller chaque tamponnage. Ouf. Faut qu'on essaye de coller droit. Droit, on va dire que c'est droit. Allez, on va faire ça avec les quatre et je reviens. Donc voilà, j'ai tout collé en relief sur les, et je vais venir coller mes petites cartes ici. Ouais, on va faire comme ça, et je pense qu'on va tamponner j'ai mis où les tampons, ils sont ici. J'ai envie de tamponner les petits mots comme ça, deux petits je vais aller chercher de l'encre. Voilà, donc à la version fine je vais faire deux fois ce petit tampon. Voilà, on va attendre que ça sèche un petit peu et ensuite je viendrai les découper et les coller sur ma carte. En attendant, je vais peut-être voir pour mettre un autre papier en dessous. Je vais regarder ce que j'ai dans les teintes noires et blanc. Alors, j'ai trouvé ce bloc de papier Black and Gold qui vient de chez Action, et j'ai bien envie de prendre quelque chose de là dedans. J'ai envie de prendre, il est où, tac, tac, tac. Oh non, il est blanc. J'ai bien envie de prendre, il est très beau ce bloc, je m'en suis jamais servi encore. J'ai bien envie de prendre celui-ci. Oups. Donc celui-ci on va le couper du coup. Après, certains diront, oups, que cette carte est trop simple, peut-être. Mais moi, c'est comme ça que j'aime. Donc, j'ai dit combien? Je pense. Sur 15,5. J'y vois rien. C'est pas très jour. On a eu de la neige ce matin. Pas beaucoup. Mais bon. Ça fait toujours plaisir. On n'a tellement pas l'habitude d'en avoir. Que ça fait plaisir. Donc on va coller ce papier ici. Et ensuite, je pense, on va venir mettre, voilà, ça ici. Moi, j'aime bien. J'ai envie de faire une carte en noir et blanc. Ça fait un moment déjà.
Et du coup, ben, je sais pas, ces petits paresseux-là, ils m'ont donné envie de les mettre en noir et blanc. Alors. Ouh. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais venir coller de la colle, comme ça je peux les bouger si nécessaire. Alors qu'avec du double face c'est pas possible. Je mets la colle de suite, comme ça je perds moins de temps et ça n'a pas le temps de sécher. Que j'ai pas mis bien comme il faut en place. Vous voyez. J'ai le temps de les mettre comme je le souhaite avec la colle. Et ben comme ça, comme ça, comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça me plaît plutôt bien. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Après, hein, comme on dit, chacun ses goûts. Je vais venir détourer ça et je vais voir ce que je peux en faire. Mon Dieu, je me lance dans des choses sans lunettes. C'est terrible quand même. Je sais que je dois les avoir sur le nez, mais... Je les avais chez le médecin parce que j'ai lu un peu et je suis sortie. Je les ai mis dans le sac parce qu'avec le masque, avec la buée... une vraie galère et du coup ben je les ai pas remises et je vais venir coller, voyez, mes petits eyes dans les petites bulles. Je trouve ça mignon, on dirait que c'est ça fait un peu BD, j'aime beaucoup, très sympa ces petites bulles. J'aimerais bien trouver un die et une toute petite bulle comme ça. Après, on ne peut pas écrire grand-chose dedans, mais peut-être un peu plus grand, ce serait mieux. Hop. Voilà. Et un ici. Allez, on va coller ça. Et après, je vais quand même mettre une petite touche de couleur. Hein. Je vais vous montrer. Ça ne va pas être que noir et blanc. On va avoir une toute petite touche de couleur légère. Ici, on a un cheveu. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Et celui-là. 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 Ici. Hop là. Comme ceci. Regardez comme ils sont mignons, ces petits paresseux. Franchement, moi je les trouve vraiment beaux, trop trop mignons. J'ai craqué dessus quand je les ai vus. De toute façon, quand je fais un partenariat, avant de mettre les produits dans le panier ou d'envoyer la commande, vous n'êtes pas très droit. Je réfléchis vraiment à ce que je vais faire avec. Si j'ai pas d'idée, je prends pas. Parce que prendre juste pour dire, voilà, j'ai pris, j'ai eu ça gratuit. Moi, ça m'intéresse pas, quoi.
Donc, je réfléchis. Et ben voilà, je viens de péter mon ciseau. Comme ça, c'est fait, c'est réfléchi. Oh, putain. Bon, ben, c'est pas grave, hein, de toute façon. Il va quand même aller. Il va juste plus se fermer. C'est pas grave. Je réfléchis. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Ça m'a perturbée. Je réfléchis vraiment à ce que je vais faire. Parce que prendre pour... voilà, pour prendre, ça m'intéresse pas. Je préfère bien réfléchir et avoir mon idée avant de prendre. Et là, j'avais dans l'idée, ces petits paresseux, de les faire en noir et blanc. Et c'est fait. Donc maintenant, je vais prendre mon quick stick. Et je vais venir coller quelques petites perles bleues. Alors, celui-ci n'est pas vraiment droit. Hein. Mince. Mince, mince, mince. Bon, maintenant, c'est collé. Allez, hop, c'est pas grave. Je vais venir. Donc, je l'ai mis où, ma perle? Oh, pétard. C'est recollé. Hop. Quelques petites perles bleues. On va les mettre. On va en mettre. On va en mettre... ici pour cacher ma bavure. Hop. Une seconde à côté, toujours pour cacher la bavure. Alors c'est bien cet outil, mais si voilà, ça colle hein. Voilà, et je vais venir en mettre deux minuscules, peut-être plus petites. Hop. Ici, là, il y a peut-être un peu beaucoup de colle. Ouais, il y a trop de colle. Il y a trop de colle. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est pas grave, hein, c'est le feu. Je sais pas ce qu'il a. Il déconne. Donc, il fait des bruits bizarres, il se met à péter tout seul, il y a de la fumée de partout, enfin bref. Hop là. Deux grosses et deux petites. Bon, c'est pas sec. Mais voilà ce que ça donne. Ma carte est terminée. Je l'aime bien comme ça. Elle est simple, rapide, mais je la trouve très jolie. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi vos impressions en commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez partager, liker, commenter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Quand j'ai le temps. Mais j'essaye de répondre, promis. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.